les premières pages, les, disons 30 ou 40 premières pages du livre, je les ai écrites ou envisagées il y a 10 ans, quand je vivais à Montpellier, puisque j'étais étudiant pendant 3 ans. J'ai eu l'idée d'écrire un livre à cette époque-là qui se situerait dans le contexte étudiant. J'ai pris quelques notes et puis ces notes, après, je les ai mises de côté. Et j'ai écrit un autre roman, Polichinelle, et après je les ai reprises, ces quelques notes. Et à partir de ce début, quoi, de ces quelques pistes que j'avais esquissées, j'ai donné un peu plus d'ampleur à ce projet. Et finalement, si le point de départ est vraiment ancré dans un contexte étudiant, très vite on en sort et pour aborder des questions un peu plus adultes, un peu plus matures, et très vite il y a question d'amour, de sexualité, d'amitié, quoi. Mais tout se passe à Montpellier. Et le livre s'est presque toujours appelé Michael Jackson. C'est-à-dire que, pas au début, puisque je ne m'étais même pas posé la question d'un titre quand j'étais à Montpellier. Je prenais des notes simplement, mais quand je l'ai repris, c'était au milieu de l'écriture de Polichinelle, vers la fin. Je crois que c'était en 2005, à l'époque de son procès, ou à la fin du procès pour pédophilie et à l'annonce de la relaxe qu'il avait comparé à la chute du mur de Berlin, lui-même, Michael Jackson à l'époque. Je m'étais dit qu'il fallait que j'appelle un livre Michael Jackson. Et au départ, je me disais même qu'il serait éventuellement drôle ou peut-être intriguant d'appeler un livre Michael Jackson dans lequel je ne parlerai pas du tout de Michael Jackson. Il s'est trouvé que donc, le 25 juin 2009, le vrai Michael Jackson est mort. Et pour la première fois, en fait, je me suis posé la question de ce titre. Dit que du fait de sa mort, il fallait peut-être que je donne du sens à mon choix. Michael Jackson, c'est un peu un titre valise, quoi. Je le voyais un peu comme un truc warholien ou je sais pas quoi, même si c'est un peu prétentieux de le présenter comme ça, mais simplement une enseigne, en fait. Il se trouvait que la structure du livre intégrait de façon assez parfaite, magique, étonnante, sa mort. Le livre se déroule de septembre 2006 à juillet 2009. Michael Jackson est mort un mois avant la fin de l'histoire. Donc je disais qu'il y avait quand même qu'il fallait forcément que j'intègre sa mort et que c'était peut-être à partir de ça que j'allais essayer de donner du sens à ce titre. Et, après coup, je me suis même dit que c'était plutôt une bonne chose pour le livre. Pour le roman, quoi. Pour d'un point de vue littéraire, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose pour qu'il meure, même si je ne m'en réjouis pas, évidemment. Mais... Au plus de musique électronique, ce qui est venu un peu plus tard, parce que Michael Jackson, il se trouve qu'il a... Le lien avec ma génération, il n'est pas tout à fait direct. Et avec la génération, avec les personnages qui sont tous nés dans les années 80. Michael Jackson, il a sorti son plus grand disque l'année de ma naissance, donc... Je ne peux pas dire qu'il est emblématique de ma génération. Il est emblématique de quelque chose de plus vaste. J'allais écrire un roman sur les jeunes nés dans les années 80, quoi que ce soit. Mais étant donné que c'est un roman assez personnel, et que je suis moi-même né dans les années 80, et je n'ai pas grandi coupé du monde et de la culture moderne, et, à laquelle j'ai été confronté, inévitablement, et par ricochet, quoi. Et oui, c'est un peu un roman générationnel. Après, j'espère simplement qu'on puisse ne pas le réduire à ça, parce que tout simplement, les grandes questions qui sont abordées dans le roman, elles me semblent assez universelles, que ce soit la frustration sexuelle, que ce soit l'amour, que ce soit la solitude,
et même la découverte de l'amour, c'est l'entrée dans l'âge adulte. Quoi. C'est, mon premier roman, Polichinelle, c'était vraiment l'adolescence, et uniquement les personnages n'interrogeaient pas beaucoup sur leur avenir. Et maintenant, ils cherchent quoi, les questions un peu plus nobles, un peu plus sérieuses en tout cas. Travaillent les personnages de ce deuxième livre. Mais générationnel, je me disais aussi que par les références, on peut dire d'un livre qu'il est générationnel. Celui-ci, peut-être contrairement au premier, c'est un livre qui brasse un peu moins de références, un peu moins plein de noms de personnalités, de chanteurs, de groupes. Ou quelque chose que j'ai essayé de laisser. J'ai pas voulu faire trop apparaître. Il y a peu de marques non plus, peu de choses comme ça. Il y a trois Luc, donc il y a trois personnages, trois narrateurs qui se succèdent, qui se complètent, puisque à la fin d'une partie, c'est un personnage de la partie qui se termine, qui devient narrateur et qui devient Luc. Une petite construction un peu sophistiquée, un peu alambiquée. Et du coup, le personnage évolue et ses évolutions. Elles sont évidemment des choses que j'ai pu parfois éprouver, même si l'aspect autobiographique, je ne dirais pas que c'est le cas à 100%. Moi, j'ai vécu seulement 3 ans à Montpellier. Le livre se déroule sur 9 ans, 9 années, quoi. Justement, du fait de la construction un peu bizarre, ces 3 ans, mais qui en fait sont 9 années. Je trouve que le narrateur, Luc, porte une casquette, et il me semble que c'est mon cas aussi. Toujours, en fait, je pars de situation autobiographique, ça me semble plus facile parce que je me sens plus libre après pour raconter ce que je veux. C'était le cas pour Polichinelle, Clairvaux-les-Lacs, c'est le fief de ma famille, donc c'est un tout petit coin paumé du Jura. J'aurais pu choisir n'importe quel autre village, ça aurait peut-être été plus confortable après pour moi là-bas. Mais et Montpellier, c'est la même chose. J'ai vécu à Montpellier, dans la même rue que où vit le narrateur, et j'ai fait plus ou moins les mêmes études que lui d'ailleurs. Même si les mêmes n'ont pas duré longtemps du tout. Mais après, tout le reste, c'est comme je le disais au début, il y a eu tellement de temps qui se sont écoulés que j'ai pu remanier toutes les situations pour, au final, garder peu de choses qui sont propres à mon histoire. Une question particulière, en sens qu'il y a trois narrateurs qui se succèdent, qui sont différents, et pour autant ils ont le même prénom et ils se complètent du fait de leur succession. Et chaque narrateur est confronté chacun est confronté à une fille qui elle aussi change d'une partie à une autre, qui s'appelle Maud. Donc il y a trois Luc, trois Maud, et tout le reste par contre est linéaire. C'est-à-dire que les personnages qui les entourent, leurs amis, ou les lieux, ou même la famille et tout, sont toujours les mêmes personnes tout au long du livre, des trois parties. Et c'est cette façon d'envisager, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces trois narrateurs, c'est une façon d'essayer de faire en sorte qu'un personnage, un narrateur, puisse évoluer au cours d'un roman. Ce qui était un petit défi que je m'étais fixé, ou en tout cas une envie d'un personnage, est vraiment quelque chose, je pense, qui m'obsède. Et c'est quelque chose. Pour moi, c'est le principal vecteur d'émotion, en fait, dans le cadre d'un roman. Et c'est de là que tout part, c'est du personnage. Et j'aimais bien avoir un personnage qui soit fragile, et mobile, et auquel je puisse enlever une caractéristique et en greffer une autre, et voir ce que ça donne. Et finalement, dans mon premier roman, les personnages faisaient des échanges de membres ou de. Et dans celui-ci, le narrateur se complète de nouvelles qualités, de nouveaux défauts au cours du roman. Et ce qui fait que voilà, il n'incarne pas finalement grand chose d'autre que lui-même et que ce qu'il éprouve au contact de la vie.
Qu'au dernier moment, je questionnais beaucoup de points de cette construction, puisqu'il y a plein d'échos, chaque partie, il y a plein de paragraphes qui commencent de la même façon, une partie à une autre, et justement avec des petites modifications et qui, du coup, se font écho. Je crois que 15 jours avant de remettre la première version définitive, puisque ça a été compliqué à la fin, je l'ai repris encore jusqu'au dernier moment, comme vous savez. J'ai fait une modification très importante, c'est-à-dire que 15 jours avant mi-août, quoi, pour parler mi-août de l'année 2010 de cette année, les narrateurs avaient encore trois prénoms différents. Et il y avait quelque chose qui grinçait encore dans le mécanisme, quelque chose qui ne me convenait pas, mais j'arrivais pas du tout à trouver la solution. Et un jour, dans mon bain, tête. Je me souviens de ça parce que j'étais censé reprendre le texte et tout, et j'avais pas du tout réussi à m'y mettre ce jour-là, je me suis dit que très naturellement il fallait que le narrateur s'appelle Luc du début à la fin. D'autant plus que c'était uniquement le troisième narrateur qui s'appelait Luc, et pour moi c'est le plus intéressant. La troisième partie du livre est pour moi la partie la plus intéressante. Et le narrateur a alors 26 et 27 ans, et ses questions, et ce qu'il est, c'est peut-être en tout cas ce qui est le plus proche de moi aujourd'hui. C'est celui qui est le plus proche de moi, en tout cas celui dont les questionnements sont les plus matures. Tandis que la première partie, c'est quelque chose que j'ai quasiment écrit il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui dont je me sens... Elle a gardé, elle s'appelait déjà Maud dans les trois parties. Toujours. Par contre, c'est un personnage qui est très différent d'une partie à une autre, et qui, lui, par contre, ne s'inspire pas d'un autre personnage qui existerait dans les parties précédentes. Et à chaque fois, c'est plutôt un fantasme où elle vient combler les manques qu'exprime le narrateur de la partie précédente. À la fin de la première partie, un ami du narrateur lui dit « Mais ce qu'il te faudrait, c'est... une étudiante aux Beaux-Arts, chose comme ça, une fiction un peu artiste, un peu extravagante. » Et dans la deuxième partie, Maud est ce genre de fille. À la fin de la deuxième partie, le narrateur se dit à lui-même, peut-être que finalement ce qu'il faudrait, c'est une fille qui travaille dans le social, qui est plus posée. Et dans la troisième partie, Maud est cette fille-là. Sauf que la Maud de la troisième partie aussi va évoluer, et dans la troisième partie, l'histoire d'amour va fonctionner. Tandis que dans les deux premières parties, l'histoire d'amour est passionnée et brûlante, mais elle échoue à la fin de chacune des deux parties, pour des raisons classiques dans ces cas-là, surtout des questions de jalousie et tout ça. Et dans la troisième partie, l'histoire d'amour réussit. Ça, c'est vraiment quelque chose... C'est ce que j'aime du livre, en fait, c'est que c'est... un roman d'une utopie amoureuse, en fait, c'est un roman qui défend une vision de l'amour, qui croit en l'amour. Les 10 dernières pages que moi j'aime bien sont un peu fleur bleue, mais j'avais envie de cette légèreté, de cette simplicité, sans pour autant être niais, sans pour autant être creux. Mais je suis content, en fait, d'avoir... eu besoin d'écrire les 390 pages précédentes pour aboutir à une fin heureuse et où un homme et une femme, comme ça pourrait être deux hommes ou deux femmes ou n'importe quoi, s'aiment simplement et vivent et sont...